Je connaîtrai comme j'ai été
Amen. Tel que tu es là, tu ne connais pas encore comme Dieu te connaît. Le Seigneur est en train de travailler pour amener ta vie à la perfection. C'est pourquoi il nous a inspiré tous ces jours-ci de culte. Mais ne fatigue pas, frère. Ne fatigue pas, ma soeur. Même si tu as des charges, sache que tu viens aussi dans un travail. Le Seigneur va te payer. Il est dit dans le livre de Deux Chroniques 15, je crois. Et comme il n'y a pas vous fatiguer. Il y a un salaire pour l'ouvrage de vos mains. Ne soyez pas distrait. Suivez-moi qui parle. C'est moi qui parle. Ce n'est pas le frère. Ne suivez pas, Satan veut vous distraire. Afin que vous passiez outre votre bénédiction. Parce que vous êtes venus à la rencontre de Dieu. Et c'est ce que toi tu es. Il y a mon nom, je l'appelle, je l'ai
Il sera vainqueur. Il sera juge en Israël. Il est parmi les vaillants. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Toi aussi tu es héros. En Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Crois à tes prières, frère. Crois à tes prières. Même si la souffrance a trop duré. Le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Chez vous, la situation ne change pas. Je dis que la situation change au nom de Jésus. Dans la famille, les choses ne marchent pas. Je dis que les choses marchent au nom de Jésus. On dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de toutes les puissances de l'univers, sur toutes les sorcelleries. Au nom de notre famille, il y a une sorcellerie. On ne se marie jamais. Tout tel que nous sommes là, nous sommes appelés à contempler les autres qui se marient. Je déclare au nom de Jésus, n'a aucune force sur toi. Tu vas vaincre parce que tu appartiens au Seigneur. Tu n'appartiens plus aux membres de ta famille. Oh non, nous, on nous a bloqués. Il t'a bloqué, frère. Et ta vie est cachée en Christ. Christ en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, la lumière s'installe. Au nom de Jésus-Christ.
Que la victoire est ton partage. Et
l'eau. Toi, prie seulement d'après les programmes qu'on nous a donnés. Ne te fatigue jamais de prier. C'était ça même le souci de notre exhortation. Nous ne voulons jamais voir des gens abattus. Nous devons leur faire connaître qu'ils sont en possession de la victoire. Ce qu'il faut, c'est de les mettre en branle, en exercice. Amen. Même si c'est le péché, même si c'est le mal, il y a la victoire. C'est par la prière qu'il y a la victoire. Les enseignements que nous dispensons demandent la vie aussi de la prière. Le Seigneur avait parlé aux disciples de son enseignement. Et lui ont répondu, cette parole est très dure. Qui peut l'écouter? Et dans un autre endroit, ils ont dit au Seigneur, il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. La foi des quantités faites. Et cela s'augmente par des prières. S'il y a des épreuves, des problèmes, tu pries. Quand tu marches de victoire en victoire à cause des prières, la foi aussi augmente. C'est pourquoi on a programmé des prières. Jamais ne se mettre dans une église à mort. Le monde est très avancé. Alors, nous devons nous garder dans la prière. Ça fait mal, on convoque la prière, tu ne viens pas. C'est la prière qui te donnera la victoire en toute chose. Le Seigneur avait dit, tout ce que vous demanderez, tout. Même à l'école, tu n'es pas intelligente. Demande l'intelligence à Dieu. Tes enfants ne sont pas intelligents à l'école. Demande l'intelligence pour tes enfants. Tu as beaucoup de sujets de prière. Mais c'est seulement toi qui ne veux pas prier. On dit tout ce que vous demandez. Quand on convoque la prière, d'être dans la joie. Moi, ça me fait du bien d'être dans la prière. Beaucoup prier, c'est très important. Surtout nos jeunes gens. Ils doivent beaucoup prier. Ils doivent être aussi forts spirituellement. Les jeunes filles de l'église ne doivent pas fuir la prière. On dit ceux qui ne se sont pas mariés s'attachent au Seigneur de manière à être saints de corps et d'esprit. Surtout les jeunes filles et les jeunes garçons. Il faut toujours participer à la prière. Nous sommes aussi pendant les vacances. Il faut participer à la prière. Et toutes ces choses-là, c'est le service à Dieu. Le Seigneur va te les récompenser. Il n'est pas débiteur de quelqu'un. Il va te récompenser. On nous avait posé hier la question. Sur 2 Rois chapitre 4. Je crois que la personne qui avait posé la question n'est pas là, le docteur Papi. Il va même me suivre en ligne. Il est dans les autres yeux.
J'avais dit ceci. Dans 2 Rois chapitre 4. Avant de parler un tout petit peu sur notre thème. Là-bas, il y avait un des fils des prophètes. Mais il avait la dette. Il était débiteur d'un créancier. Mais il fut incapable de payer cette dette. Et il est mort sans payer cette dette-là. Et à cause de cela, on voulut faire de ses enfants des cas. On avait dit ceci. Cette personne-là, ce fils-là des prophètes, ce fils du prophète, c'est Adam. On avait dit que ce n'est pas Jésus-Christ. Cet homme-là ne sera jamais Jésus-Christ. Et puis il n'avait pas de dette. Et c'est lui qui a payé notre dette. Et la dette que Adam avait, c'était la désobéissance. Le manque d'amour. C'est une dette. Nous allons le voir. Parce que le Seigneur dit, si vous m'aimez, Amen. Les vases
L'accomplissement de la loi, quand on dit accomplissement de la loi, c'est ça, payer la dette.
Je ne veux pas regarder un petit peu par rapport à ce qu'on vient de dire. Je ne crois pas que c'est bien compris. Amen. Je n'ai pas dit que c'est le Seigneur qui est resté aujourd'hui avec la lettre. Non, le Seigneur n'a pas de lettre. Amen. Dans ce cas-là, le Seigneur n'a pas la lettre aujourd'hui. C'est une honte. Et la lissonne. Parce que les affaires des frères se règlent entre eux. Vous devez savoir doctrinalement tel que nous sommes. Notre église telle que nous sommes ici comporte aussi un tribunal. Et nous réglons nos affaires selon la doctrine. Nous ne devons pas aller nous plaindre au tribunal des païens. Vous allez voir des frères, ils ont des problèmes entre eux, mais ils se rendent chez les juges du monde. Là, ils se disent, les magistrats aussi sont serviteurs de Dieu. Non, ce n'est pas dans ces contextes-là. Et c'est pour lui-même qui a prêché que les magistrats sont serviteurs de Dieu. Mais il a dit quand les frères ont des problèmes entre eux, ils doivent chercher les membres de l'église pour régler leurs problèmes. Grave qu'ils peuvent être ces problèmes. Ce n'est pas comme nous avons l'habitude de voir. Vous allez voir deux familles se disputent à l'église. C'est une honte. C'est un défaut. Dans l'église, les affaires se règlent entre eux. Le Seigneur ne nous donne pas seulement la sagesse d'expliquer les Écritures. Il nous a donné aussi la sagesse de régler les problèmes. Ça fait aussi partie de l'amour fraternel. Parce que si les gens du dehors entendent ce que vous avez fait ici, ils vont se moquer de vous. Mais vous vous glorifiez avant le Saint-Esprit. Et votre Saint-Esprit est incapable de régler ces problèmes. Et vous venez réduire à l'esprit du monde, des universités, de ceux qui ont fait les droits. Non, frère. Les affaires de l'église c'est l'église. Ça fait aussi partie de l'amour fraternel. C'est un enseignement très grand sur l'amour fraternel. Vous allez voir, il y a des prédicateurs qui se disputent. Ils sont dans une église, mais ils se disputent. Surtout quand ils achètent déjà une parcelle. Ils cherchent qui est le plus grand. On ne me reconnaît pas, donc on doit me reconnaître. Quand les problèmes surgissent, ils s'amènent chez le procureur. Et ce qui fait mal parfois, le procureur leur dit que je ne peux pas régler vos problèmes. Je vous donne trois semaines pour entrer dans votre église
c'est aller régler ça. Mon frère, c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Une humiliation. Une humiliation de la chose que nous glorifions. Avec sa sagesse. Comment la chose allait se passer? Donc ces deux mamans-là seraient en dispute de toute leur vie. Ma maman, elle va se faire avant de mourir. Aïba maman. Elle m'a volé l'enfant. Cet enfant-là m'appartient. Moi, la wana la yangaï. Ça va être comme ça toute leur vie. Oh, Anna, bah, il n'a pas de mal. Pourquoi? À cause de son exercice.
l'église. C'est comme les dons de gouverner. Ne dites pas que vous pouvez aussi avoir les dons de gouverner. Les mamans, les jeunes sœurs, les nos frères qui n'ont pas le ministère de la parole. Vous n'aurez jamais les dons de gouverner. Les dons de gouverner, c'est pour ceux-là qui sont devant. On est des gouverner. Mais la maman n'aura pourquoi elle ne gouverne pas dans l'église. Elle n'a pas l'autorité. C'est l'autorité. Il en est même avec les dons des paroles de sagesse. C'est un don de trancher les problèmes. C'est un don de donner des solutions. Quand il y a des problèmes, donne des solutions. C'est un don qui accompagne le ministère dans l'église. Vous allez voir, quand il s'agit du ministère de la parole, on parle aussi de la sagesse. Lorsqu'on voulait faire de Josué les conducteurs d'Israël, la sagesse, c'était pas seulement de la loi de Moïse qu'il avait. Il avait déjà la loi. C'était un jeune pieux qui craignait Dieu. Mais on a dit l'esprit de la sagesse. C'est dans la serre à trancher le problème. C'est dans la serre à donner des solutions pour lui. Tu fais une affaire avec un frère. Ça tourne mal. Et
Qu'est-ce qui dort, mais se réveille? Bon, bah, voilà, la moussaïe, la moussaïe. Et les affaires tournent mal. Bon, ma camouille, tu as et que les frères usent des ruses. Bon, et les débats, ça y est, ma paix. Ne va pas directement chez les païens des plaines. On peut t'en parler, on ne va pas parler, on fout la tête. Les prédicateurs sont là. Bâti, Bazalia. Les hommes de Dieu sont là. Bazalia, Bazalia, Bazalia. Ils ne sont pas là seulement pour vous prêcher la parole. Et les gars, maintenant, on va dire, on va beaucoup de tête. Vos soucis. Il est dans la vie, non, parce que je voulais dire ceci. Mais alors, à un frère, je dis à un frère, et pas à des commandements, à un frère dans l'assemblée de Jésus-Christ. Quand il est dans Jésus-Christ, on ne prête pas un frère à être tiré. Il y a des commerces. Il y a des commerces. Il y a des que ce soit les habits que tu es en train de prêter, que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, que ce ne soit pas à intérêt, ce sont des choses que Dieu refuse. Parce que tu ne le feras pas avec ton frère de la famille biologique.
frère. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt. Pour l'argent. Ni pour vivre. Ni pour rien qui se prête à intérêt. Quand c'est ton frère, pas d'intérêt. Et pas de Mas
sont les frères pour qui le Christ est mort que toi tu vas enterrer. Si tu enlèves l'intérêt sur les frères, Dieu va te bénir. Va te bénir, le Seigneur va te bénir. Quand tu prêtes à ton frère, qu'il ne s'en soit plus intérêt. Oh non, c'est la loi. La loi, c'est l'instruction, frère. Et Jésus va aller même plus loin, il dit, quand tu vas prêter, il ne faut pas attendre qu'il puisse les retourner. Ça, c'est n'attends pas. Ok, le retour maintenant, c'est la terre. Amen. Et je lis les Écritures. N'attends pas ma gomme. Que je lise les Écritures. N'attends pas. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. On dit ceci. J'ai lu même le verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle grève vous serez-t-on? Les pécheurs aussi agissent même. Si vous prêtez seulement à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en serez-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Les versets français. Donc, comme la Bible, sommeil à ta vie, mais travaille pour que tu puisses lui remettre son argent.
Seigneur. Parole du Seigneur. Amen.